Négociation pour aller du bon train. Pas oublier que également il y a une médiation qui est faite par des acteurs locaux, mais également des acteurs internationaux. Donc, Naptan également arrivé de l'Aurora et qui pourra lui-même travailler dans la médiation pour permettre que nous avancer sous chantier prioritaire pour le gouvernement. Est-ce qu'il y a une possibilité pour, à défaut de une entente, pour que Claude Joseph soit parti là pour 30 jours encore dans cette primature-là? Bon, et particulièrement, il y a une raison qui fait le président choisir comme premier ministre Haï, c'est parce que il connaît des intérêts. Moi, pas dans une démarche qui est intéressée pour monter dans la primature, parce que ça qui est plus important pour moi, c'est joindre une solution à la crise-là. Et le plus vite que nous sommes capables de venir, le mieux. Où dans notre primature là depuis plusieurs semaines, est-ce que jusque-là vous êtes satisfait de l'action gouvernement là? Gouvernement pour un petit bout de temps. Très très satisfait de l'action gouvernement que moi j'ai honneur et privilège pour me diriger pendant un mois et environ 15 jours. Donc, m'a continué le travail. Et où très satisfait aussi de l'action gouvernement que vous avez dirigé pour un petit bout de temps, mais je dis à la passage Claude Joseph dans la primature là, par qui ça est capable de marquer? Bon, d'abord, c'est travail qui déclenche la sous prise en charge coronavirus. Depuis monter dans la primature là, quelques semaines après me finir dans cette primature là, ou après que la situation sécuritaire là est différente. C'est-à-dire que ça, c'est un point assez important qui manquait. Mais moi, pas de tête, mon crédit, c'est toute une équipe qui joue un crédit. C'est-à-dire que d'abord, c'est travail président de la République là, c'est travail chef gouvernement pour un petit bout de temps. Ce travail chaque ministre, particulièrement ministre intérieur, ce travail ministre ministre justice, ce travail ministre défense. Donc ça est extrêmement important. Mais l'autre aspect qui est extrêmement important, c'est l'aspect politique. Là. Je dis, on est capable de dire que nous plus près, que nous plus loin, avec le dialogue, avec les amis qui sont en opposition, hein, qui viennent comprendre eux-mêmes nécessité pour joindre une issue à un passage. Donc on pense que ça, c'est trois bagages qui sont extrêmement importants. Ok, ou disons une phrase qui est fort là, ça nous semble plus près que nous pilons et on entend. C'est ça, vous direz? Oui, parce que, pas oublier que le président de la République là, il n'est pas jamais passé un jour sans lui pas parler avec des amis en opposition qui ont même conscient que je dis, il faut qu'il y ait une mise en commun qui fait pour notre société pays dans l'impasse liée. Donc, et me senti, j'aime dire là que nous plus près, passer nous plus loin. Nous retournons pour la deuxième partie du journal GAR. Cette créole, état d'urgence sanitaire, l'a renouvelé pour 15 jours. Arrêté présidentiel l'a sorti à hier, mardi. Couvre-feu a toujours été sorti 10h à soir pour arriver 5h du matin. Face à fait qu'un niveau épidémie a augmenté, l'autorité a décidé tout pour fixer jusqu'à 11 juin fermeture classio, sauf classe qui parle d'examen officiel lieu, ou même qui autorisé pour fonctionner après date 11 juin, on doit faire ça dans tout respect distance physique là, avec l'autre mesure barrière pour camper, pour couper et coronavirus là. Cérémonie graduation yo, fête fin année scolaire yo, avec journée récréative dans l'école yo, yo interdit tout jusqu'à ce que l'autre décision qui prend. Président Jovenel Moïse qui était adressé à la nation a lancé un appel solidarité pour faire face avec la deuxième vague COVID-19. Ça, on écoute les déclarations. De 19 mars 2020 à mois mai 2021, travail là, les bails bon gens résultats. D'ailleurs, nous faisons partie des pays qui peuvent bien gérer la pandémie coronavirus. Malgré les forces, le match a beaucoup fini parce que de nouveaux dangers qui apparaissent sur nous. Maladie coronavirus là, une nouvelle forme aujourd'hui qui est plus dangereux. Coronavirus ça fait petit. Ça veut dire nous entendons parler des affaires variants. Il faut que le peuple comprenne qui est variant. Ça veut dire son lot de gens maladie à venir, c'est ça qui est variant. Les plus dangereux que j'ai entendu. Dans la zone pays d'Haïti, nous avons deux variants. Un, c'est variant brésilien, ça veut dire souche qui sortit au Brésil. L'autre là, c'est variant anglais, c'est souche qui sortit en Angleterre. Nous renouvelons l'état d'urgence sanitaire pour 15 jours. Dans l'état d'urgence sanitaire, nous connaissons les affaires. Couvre-feu, qui l'a toujours, qui commence de 10h, qui finit à 5h du matin. Et nous avons demandé à toute autorité, ça veut dire la justice avec la police, le ministère intérieur, tout le monde qui l'a pour ça, sécurité publique, pour nous mettre tête nous ensemble, pour nous capables de faire tout le monde respecter mesures. Mesures qui prend pour interdire cérémonie, graduation, journée récréative, fête fin d'année scolaire, qui qu'on fait dans l'école, yo, yo tout interdit. Mais si ça, l'État prend, yo, c'est un objectif pour protéger les élèves et tout personnel éducatif yo, pendant une période difficile. Ça.
côté coronavirus là a continué faire victime. N'a pas de responsable l'école pour yo voyager sous ti moun yo. Ti moun yo doit respecter geste barrière pour yo laver main yo. Exiger yo pour toujours mettre masque, ça important. Et puis pas quitter au chitayon sous l'autre parce que faut pas oublier en pile nan ti moun yo qui prend maladie a Jean gros mot français dit yo asymptomatique. Ça veut dire yo pas gen symptômes ou pas jamais même comprendre ni ouais que yo gen maladie a. Et pourtant c'est ça yo relé en porteur sain. Et pourtant maladie a yo transmettre li ba grand moun, yo transmettre li ba tout l'autre monde. Et puis pour l'école là tout, nous connais nous non période d'examen pour le plus tôt que possible si examen yo ta capable rive nan bout yo pour si moun yo yo ka arrêter la caillou. Moi vle faire un petit parler avec chauffeur camionnette yo. Moi nan la rue moi ouais, gran pile nan yo qui respecter mesure. On connais c'est nous qui lever pi bonheur pour prendre la rue pour aller chercher la vie et pour nous bailler service tout à population. Mais m'a dit yo ou gen intérêt jodi a ou même qui chauffeur mettez ma sport là en vent. En nous mettez en pratique depuis qu'on y a toute disposition autorité au point. C'est pour santé nous, c'est pour propre bien-être nous. Personnel médical là. Moi connais ça arrive dans oreille moi. Gen nan nous qui jusqu'à présent gen arriéré dans prime que ou te gen pour te ban nous. Li rive dans oreille moi. Moi profite occasion pour demander ministre finance pour le travail pressé pressé avec ministre santé publique pour voir comment problème ça yo nous te ka résoudre parce que moun ça yo c'est des moun qui en première ligne. M'a demandé tout moun quel que soit dans camp encore côté au campé en nous mettre ensemble pour nous capable font chaîne solidarité pour nous goumen contre choléra. Premier ministre Claude Joseph et renouvelé détermination gouvernement intérimaire pour prendre mesure pour capable permettre pays à faire face avec augmentation coronavirus là. Chef gouvernement a surtout parlé sur renforcement disposition qui visait continuer protéger population contre pandémie. L'économie côté cochol. Bon, négociation yo pour aller de bon train. Pas oublier que également il y a une médiation qui a fait par des acteurs locaux, mais également des acteurs internationaux. Donc, Naptan également arrivé de l'OEA et qui pourra lui-même travailler dans la médiation hein, pour permettre que nous à déjà tout le monde connaît le problème dans les réels, je veux dire, statistiques, yo alarmante tout le monde. Donc, il y a déjà deux conseils des ministres extraordinaires qui déjà organisés. Nous renouveler l'état d'urgence pour 15 jours avec des mesures qui claires. Donc, c'est-à-dire que le gouvernement prend en charge la crise sanitaire là. Donc, c'est-à-dire que nous très, très, très proactifs. Il a continué le travail avec ces deux scientifiques là. Renouvellement état d'urgence sanitaire là pour 15 jours, c'est de qui date à qui date? Il a commencé à partir de lundi, c'est 15 jours. Mais est-ce que le bataille est formalisé à travers un arrêté? Oui, il est formalisé à travers un arrêté qui probablement beaucoup gagné, mais est arrêté à l'heure. KDC avec cas de contamination va augmenter. Qu'est-ce que nous entend faire par rapport à ça? Eh bien, on a pris en pile disposition déjà à travers l'hôpital, nous avons une prise en charge de cas de coronavirus. Moi déjà réactivé cellule scientifique qui essentiellement travaille sur gestion crise coronavirus. Moi déjà rencontré en pile patron et représentant média en ligne pour demander pour participer dans la campagne de sensibilisation pour nous combattre coronavirus. Faut que nous respections gestes barrières. C'est ça que le port du masque est obligatoire. On couvre feu au lieu de 10h qui commençait à 9h du soir, qui finit à 5h du matin. La police nationale, le ministère de la justice et de sécurité public, ministère intérieur, collectivité territoriale, défense, je parle travail ensemble pour faire respecter pour vos feux. Nous constatons qu'il y a un pile fonctionnaire avec cadre dans l'administration publique là qui ont même contaminé, c'est de façon spectaculaire. Et gouvernement, quoi explication que le capable à ça? Ça veut dire que coronavirus, c'est un problème qui est réel. Que nous-mêmes déjà, nous encourager dans l'administration publique là, rotation et télétravail. Donc, c'est une façon pour, eh bien, mon lieu capable d'éviter ça qui gagne lieu éviter par l'autre monde. Donc, le livre extrêmement important, je dis, c'est chaque monde, pendant le gouvernement, a fait tout ça le capable pour éviter au maximum propagation coronavirus dans le pays. Mais moun, chaque monde, tout doit respecter. Toujours dans le cadre de ça, malgré le cas COVID-19 qui a augmenté la sécurité dans le pays, il y a une disposition qui tellement prend au niveau administration publique là, qui est plusieurs et cas coronavirus dans l'état qui est frappé, qui est capable de protéger et c'est là qui a fréquenté
et bureau ça yo pendant une visite mardi à dans bureau central immigration sur la Lua. Situation est pas bon du tout à cause de distance sociale là, pour distance sociale là qui pas respectée, et puis question masque là, c'est pas tout le monde qui était décidé qui donc mettait li. Nous allons suivre un reportage avec Michel Xavier. Image là inquiété moun. Nous pas dans un marché ni encore moins dans une station machine, mais nous dans bureau central immigration sous la lue. Yon foule moun campé devant barrière entrée institution. C'est quelques grains là-dedans qui gagnent un cacheté dans visage li alors que principe distanciation sociale là pas respecté du tout. Tout le monde a parlé en même temps et pour si la yo qui gagne un masque dans visage li descend li en bas babini chaque 5 minutes sous prétexte qu'il y a difficulté pour respirer. Bah la même non, quelque monde porte masque, quelque monde peut-être pas à l'aise avec le même gens pas dans là, là nous senti m'a tout le lendemain même je mettais longin même bah la même en même. Patriote ça dit l'inquiet pour santé mais il pas gain choix, li obligé vinn prendre service là. Comme li besoin, l'obligé quelle que soit circonstance là face avec situation pays comme nous parler pour saluer tout le monde sur question des sorties, sorti capable d'éviter. Mon obligé même dans le temps des bagarres là pour comment le caractère tête il mettait la jour moi m'inquiète autre jeune l'autre monde tout qui est j'en me dit là comme si nécessité et pour ça ou elle obligé prendre mais ça va dire va inquiète pour l'autre compatriote ça cap travail pour une agence voyage. C'est incapacité dirigeant nous qui la cause situation ça dans niveau immigration sous la lue. Dirigeant nous yo pas souci de ça. Pour qui ça dans ça qui privé yo, yo prend mesure de ça parce que yo connaît que il y a viva humain mais pour qui ça dans ça l'état yo même, il juste lagué nous. Là dans privé nous ouais parce que dans privé là chercher comme dans n'importe bureau ouais si trois chaises unités pour trois monde. Même si tu gagne 10 monde qui vient de l'argent, ça va inquiéter maintenant l'état regarder n'importe 1000 monde. Côté bureau service immigration et immigration placé sous la lua, li bay possibilité à tout le monde, notamment groupe ou tantan dans l'état qui fréquente zone ça toute la journée, mais situation ça semblait pas jamais attirer attention yo malgré pandémie coronavirus a frappé bien fort notamment administration publique là. Poser les questions sur situation ça, ministre qu'il tient à communication Pradel Henriques répondre comme ça. Il y a trois entités qui supposaient intervenir. D'abord, le ministère de l'Intérieur, mais qui travaille avec le ministère de la Justice et de la Sécurité publique. Deuxième entité qui pourrait agir, c'est le ministère de la Santé publique lui-même. Parce que hier, nous avons abordé toute la question de la fonction publique. Le rôle de la fonction publique, pourquoi je dis la fonction publique a supposé gagner dans le contexte COVID qu'il a. Troisième entité, c'est Direction Générale Immigration en lui-même. Parce qu'il y a un lien entre le service qu'on travaille, je dis, à la population et à sa protection naturelle, nous supposons lier sur ça. Si aucune disposition pas prend, au niveau administration publique là pour protéger employés et contribuer à bio, en pile monde a posé cette question sous qui utilité état d'urgence sanitaire, il y aurait renouvellement dit ça pour 15 jours encore. Michel Xavier, Vision 2000.